Jean-Marc Ménard. Bonjour. Donc vous êtes agronome, directeur de recherche à l'INRA, l'Institut de la recherche agronomique français. Vous êtes spécialiste de la conception de systèmes de culture, donc c'est peut-être un peu compliqué pour les néophytes, mais vous allez comprendre, je pense, exactement de quoi il s'agit lors de l'exposé. Vous êtes membre de plusieurs instances du monde agricole, président du conseil scientifique de l'agriculture biologique, président du comité scientifique des chambres d'agriculture françaises. Donc c'est certain, votre voix peut peser dans les orientations futures de l'agriculture française. Dès 90, vous publiez un article intitulé « Produire autrement ». Et aujourd'hui, « Produire autrement » est le slogan du gouvernement français qui incite les agriculteurs à se convertir à l'agroécologie. L'agroécologie, c'est justement essayer de produire plus ou moins autant avec moins d'eau, moins d'énergie et moins de pesticides. Donc vous êtes particulièrement bien placé pour nous aider à répondre à cette question aujourd'hui. Peut-on se passer de pesticides ? Mais d'abord, peut-être une question sur votre parcours, parce que votre approche finalement est assez intéressante. Vous n'avez jamais limité votre approche à une simple approche agronomique. Et pour vous, c'est important d'inclure les sciences sociales dans cette approche. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'agriculture, l'agronome s'intéresse aux cultures et aux techniques qui sont appliquées. Mais on ne peut pas envisager de travailler sur l'agriculture sans s'intéresser aux gens qui font l'agriculture. Et le regard qu'on porte en tant que chercheur sur les pratiques agricoles est considérablement enrichi quand on regarde en même temps les logiques d'action des gens qui font l'agriculture, qu'il s'agisse des agriculteurs, des gens qui les conseillent, des gens qui leur achètent leurs produits ou des gens qui leur en vendent. Et donc le travail en partenariat avec des collègues de sciences économiques et sociales, des économistes, des sociologues en particulier, des ergonomes aussi, permet de comprendre beaucoup plus profondément les choses, et en particulier quand on veut contribuer à l'action. Parce qu'on va le voir, la question des pesticides n'est pas qu'une question agronomique, loin de là. Alors avant de commencer, peut-être qu'on peut essayer de dresser un premier état des lieux pour avoir une petite idée de quoi on parle. Déjà, question toute bête, à quoi servent les pesticides? Et où en est-on de notre consommation de pesticides aujourd'hui dans le monde? Donc je vais vous parler à quoi servent les pesticides, je vais y répondre partiellement, parce que je vais parler que de l'agriculture. En fait, c'est quand même la très très grosse utilisation. En fait, depuis que l'agriculture existe, c'est un problème majeur des agriculteurs d'arriver à contrôler les pertes de production qui peuvent être liées à ce qu'on appelle les ennemis des cultures, c'est-à-dire des insectes, des rongeurs qui vont consommer les plantes ou les grains ou les fruits, maîtriser les herbes, les mauvaises herbes, comme on dit, celles dont on n'a pas besoin dans le champ parce qu'elles concurrencent les plantes et parfois même elles peuvent enrichir le produit récolté en produits indésirables, ou les maladies dues à des champignons par exemple, qui détournent à leur profit un certain nombre de ressources. Donc c'est toujours, ça a toujours été un problème majeur. Pour les agriculteurs, et le rôle historique de la jachère, des rotations de culture, du désherbage manuel, ou même de la domestication du chat pour contribuer à maîtriser les rongeurs, c'est pour lutter contre ces ennemis des cultures. Mais comme ça ne marche pas à tous les coups, il y a beaucoup de pertes liées à ces champignons ou à ces insectes en particulier, ou à ces herbes. On peut perdre la moitié de la production, on peut perdre la totalité, on peut perdre aussi beaucoup de qualité. Qualité, on parlera tout à l'heure de la qualité du vin. On peut parler aussi de l'ergot des céréales qui a fait pas mal de dégâts dans les populations européennes au Moyen-Âge. Et puis l'exemple que tout le monde cite, qui est assez important, c'est la grande famine en Irlande qui a fait plus d'un million de morts, qui a été causée par le milieu de la pomme de terre. Donc, Des gros problèmes, et les pesticides, les solutions chimiques sont apparues depuis longtemps, le soufre, on en parlait dans l'Antiquité, la bouillie bordelaise a été développée au 19e siècle, et il y a même des sels d'arsenic qui ont été utilisés, et il y a eu une explosion de l'offre de pesticides avec le développement de la chimie de synthèse dans la deuxième moitié du 20e siècle. Donc les pesticides, c'est une assurance de pouvoir nourrir le monde, on peut le dire comme ça ou... En tout cas, c'est une solution qui est efficace, à condition que ça soit en
répertoriés de manière adéquate. Ces simples d'emploi, dès lors qu'on a investi dans le matériel de pulvérisation et qu'il y a eu un minimum de formation, et il y a un effet qui est visible tout de suite sur le rendement et la qualité. Ce qui explique le grand succès que ça a eu au niveau international, c'est d'une certaine manière une certaine simplicité. Donc en Europe, hein, puisque c'est le sujet qui nous concerne tous, donc on voit que la France est le premier consommateur en Europe. Pourquoi ? La France est le premier consommateur, d'abord pour des raisons de surface agricole, également parce qu'il y a pas mal de vignes en France, relativement à d'autres pays, et que la vigne est relativement fort consommateur de pesticides. Donc voilà, c'est avant tout la grande surface et puis un peu certaines productions particulières. Ce qu'on voit sur la figure, c'est aussi que les... Bon, il y a des pesticides qui s'adressent à tout un tas de ravageurs ou de maladies, mais c'est avant tout les trois principales spécialités dont on va parler dans la conférence. C'est des herbicides qui sont en vert sur la figure, les fongicides, donc qui luttent contre les champignons parasites, et puis... Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour le grand public de champignons parasites très connus? J'ai parlé tout à l'heure du mildiou de la pomme de terre, du mildiou de la vigne, il y a l'oïdium de la vigne, il y a des rosiers. Voilà, pour qu'on visualise que ça nous paraisse. D'accord. La rouille des céréales, j'en parlais tout à l'heure aussi. Et les insecticides, donc, contre les espèces. Et les insecticides, donc, contre les insectes parasites, contre les insectes qui consomment soit des feuilles, soit des grains, soit qui piquent les fruits, les rendant faisant qu'ils se conservent moins, etc. Comme le puceron, connu de tous, par exemple, pour ne citer que le plus connu. Le puceron, mais aussi... Vous nous parliez de la vigne, juste pour essayer d'avoir les choses un peu comme ça. Donc, est-ce qu'on peut dire les cultures les plus traitées dans le monde, ce sont lesquelles? Les plus traitées dans le monde? Enfin, en tout cas, la culture qui nécessite le plus grand nombre de traitements, je crois que la vigne et les fruits, les pommes par exemple, sont des cultures qui nécessitent énormément de traitements comparativement, par exemple, à du blé, même si en volume, du oui, coup... Oui, comparativement à du blé. Alors déjà, si on prend sur les grandes cultures, c'est la pomme de terre qui nécessite pas mal de traitements pour contrôler le mildiou, d'autant plus qu'on est dans une région pluvieuse. Il y a des outils d'aide à la décision qui ont permis de n'appliquer, qui permettent maintenant de n'appliquer les traitements qu'au moment où c'est strictement nécessaire, mais ça reste quand même assez pas mal traité. Et puis après, oui, c'est les cultures fruitières, la vigne, et puis encore souvent au-dessus, les cultures fruitières. Le débat sur les effets négatifs, il ne date pas d'aujourd'hui, il a été lancé dans les années 60, en 62 précisément, par la parution de l'ouvrage de Rachel Carson, Le printemps silencieux, qui pointait les effets négatifs du DDT en particulier, pas seulement, mais surtout du DDT, qui était l'insecticide le plus employé à ce moment-là, sur des espèces non cibles, et en particulier les oiseaux, d'où le titre « Printemps silencieux ». Depuis, il y a énormément d'études qui ont été faites, et c'est très clair qu'il y a des effets directs des pesticides, de type toxicité sur différents organismes de l'écosystème. On parle d'écotoxicité, avec à la fois une concentration des pesticides dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que les prédateurs ont des concentrations en pesticides plus élevées que leur proie, parce que ça se concentre chez le prédateur, mais aussi des effets sur la chaîne trophique. Par exemple, si vous tuez les insectes avec un insecticide, les oiseaux qui mangent les insectes ont moins à se nourrir, donc il y a moins d'oiseaux. Il y a la pollution des eaux. En France, par exemple, en 2010, 90% des cours d'eau et 63% des nappes souterraines présentaient une pollution liée aux pesticides. Oui, c'est énorme. Alors qu'on n'était pas, dans beaucoup de cas, on n'était pas au seuil de potabilité, on était en dessous. Mmh. Mais les pesticides étaient détectables. Mais il y a des endroits où on trouve certaines molécules à des concentrations 150 fois plus élevées que les seuils limites autorisés. Donc, il y a des endroits où ça pose vraiment de gros problèmes. Pollution de l'air, pollution des sols. Et puis, quelque chose qui a été largement sous-estimé et qui maintenant est très bien connu. Et qu'il est encore par certains, oui. C'est l'effet sur la santé. L'effet sur la santé des utilisateurs, d'abord, qui est très, très bien instruite, en particulier par l'expertise faite par l'INSERM en 2013. L'INSERM a travaillé à partir de l'ensemble des publications scientifiques faites dans le monde entier,
sur les relations entre pesticides et santé. D'ailleurs, il y a un gros enjeu, je crois, je vous coupe, excusez-moi, mais sur Parkinson, ça me fait penser, il y a un gros enjeu de reconnaissance en maladie professionnelle pour les agriculteurs. Parkinson est retenu, ouais. est reconnu comme voilà. maladie professionnelle pour les agriculteurs. C'est important de le dire parce que du coup, vu que c'est une question polémique, voilà, c'est reconnu comme une maladie professionnelle. Il y a un problème de santé publique réel qui émerge de plus en plus aujourd'hui. Donc effectivement, on l'a vu. Face à cette liste d'effets négatifs, il est tout à fait légitime, malgré toutes les polémiques et les opinions différentes, de se poser la question « peut-on se passer de pesticides ?» Alors aujourd'hui, je vous pose la question, en sommes-nous capables ? Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse s'en passer complètement, parce qu'il y a tout un tas de... Même si on dispose de pas mal de solutions qui permettent de solutions alternatives aux pesticides, parfois un peu plus coûteuse, en tout cas à peu près toujours un peu plus compliquée à appliquer, mais on dispose d'un certain nombre de solutions, je vais en citer quelques-unes, j'ai des diapos là-dessus. Il y a tout un tas de problèmes parasitaires sur lesquels on a, ou de antilles sur lesquels on n'a pas de solution. Mais quand même, on ne va pas être totalement négatif aujourd'hui, parce qu'il existe quand même déjà un certain nombre de solutions pour se passer de pesticides. Mais c'est quelques flashs pour montrer un peu les principes qui sont mobilisés. Alors, il y a les variétés résistantes aux maladies. C'est des résistances génétiques qui font que la maladie ne peut pas se développer ou se développe beaucoup plus lentement sur la plante qui est résistante. Alors ça a de gros avantages. Le problème, c'est que quand on sélectionne une culture quand un généticien veut créer une plante résistante aux maladies, ben, il est souvent obligé d'être un peu moins exigeant au niveau de la production, parce qu'on ne peut pas tout sélectionner à la fois. Je ne parle pas d'OGM, je parle de résistances qui existent dans l'espèce connue. Maintenant, le même principe d'utilisation de gènes de résistance peut se faire avec la voie OGM. Mais on peut faire une sélection génétique sans OGM, sélection juste naturelle. Là, je parle de sélection dans les populations en utilisant des résistances qui existent déjà dans l'espèce. Et souvent, les plantes qui sont résistantes sont moins productives. Donc, pour fabriquer des plantes qui sont à la fois productives et résistantes, ben les sélectionneurs, les gens dont c'est le métier, ils font des hybridations, ensuite sélectionnent, ils font des croisements, ils sélectionnent les plantes qui sont à la fois productives. Et plus on est exigeant sur les résistances, moins on est obligé d'être exigeant sur la productivité. Donc, il y a un peu un antagonisme. Et on peut avoir des mélanges qui profitent de toutes ces résistances ensemble. Tout simplement parce que quand on a un peuplement dans lequel vous avez une partie des plantes qui sont résistantes, la maladie se propage beaucoup moins vite d'une plante sensible à l'autre. La plante résistante, elle fait écran, si vous voulez, à la dissémination des spores. Donc vous avez ici deux figures qui montrent, qui comparent la culture pure, orge pure, orge associée, à la culture, la même culture, mais mise en association avec l'autre espèce. Donc, orge pure, c'est un champ d'orge, et orge associée, c'est l'orge dans un champ où on a semé, bien mélangé ensemble, de l'orge et du pois. Et la figure à côté, c'est pour le pois. Et donc, les barres marquent la quantité de maladies, oïdium sur orge, anthracnose sur pois. Donc, le pois n'est pas sensible à l'oïdium de l'orge, et l'orge n'est pas sensible à l'anthracnose du pois. Ce qui fait que chacune des espèces fait écran à la propagation de la maladie de l'autre. Donc vous avez globalement moins de maladies, aussi bien sur l'orge que sur le pois. Et donc la rotation, c'est un moyen de maîtriser partiellement, pas complètement, mais les mauvaises herbes, les maladies liées au sol, grâce à la diversité de l'agrosystème. Alors on a aussi des tas d'autres solutions, le désherbage mécanique. Tout simplement. Le bon sens, quand même. Alors que le désherbage, alors c'est un peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps, mais ça ne peut pas être fait n'importe quand, ça ne réussit pas toujours. Mais c'est une solution. Les itinéraires techniques à bas intrants, on sait aujourd'hui cultiver du blé, du colza, du tournesol, de l'orge, avec des bas intrants et des risques de maladies et d'insectes limités. Et ça, en changeant la variété, la date de semis, la densité, la fertilisation. C'est-à-dire, je prends un exemple bête, mais
plus on sème tôt, par exemple le blé à la fin de l'hiver, plus on a des chances d'avoir un climat humide et donc du coup d'avoir besoin de traiter. C'est aussi bête que ça, le raisonnement ou... Oui, c'est à peu près ça. La lutte biologique utilisant soit des lâchers de prédateurs, d'insectes qui mangent les pucerons, les pirats, etc., des insectes qui parasitent, soit par l'aménagement du paysage. Ah oui, il y a un exemple intéressant, je trouve, en arbre fruitier, c'est la confusion sexuelle. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, par exemple? La confusion sexuelle, le principe, c'est d'attirer, donc par exemple contre le Carpocaps du pommier, le principe, c'est d'attirer les mâles avec une phéromone, avec une hormone d'insecte synthétique, qui, donc les mâles sont attirés, ils sont pris au piège, et donc après les femelles, elles sont dans le verger, mais elles ne peuvent pas pondre leurs œufs dans les pommes, et donc il n'y a pas de chenille dans les pommes. En Europe, il y a une vraie volonté politique, il y a un plan de réduction des pesticides au niveau européen. Fin 2009, l'Union européenne a adopté un paquet pesticides qui comprend une obligation pour chaque pays membre de mettre en place un plan d'action national visant une réduction du risque et de l'utilisation des pesticides. Et vous trouvez tous les plans de réduction sur Internet, tous les plans nationaux. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, et c'est sur ce quoi vous travaillez depuis des années, c'est que finalement, pour réduire les pesticides, on ne peut pas claquer des doigts, il faut changer en profondeur les systèmes de production. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi les systèmes de production ne permettent pas ce changement pour l'instant, en tout cas en France. Alors, en France, on a un plan éco-phyto qui a été mis en place à la fin des années 2000, 2009-2010, et qui prévoit une réduction de l'usage des pesticides de 50% qu'il prévoyait entre 2008 et 2018. Entre parenthèses, si possible. Le ministre a souhaité reconduire le plan, mais en lui donnant plus d'ambition, en repoussant l'objectif de division par deux à 2025, avec des moyens accrus. Portant en particulier sur la création de références, la recherche, la prescription. Donc la recherche, on en a vraiment besoin, parce qu'il y a des tas de situations où on n'a pas de solution. Mais on va voir que ça risque de... Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, parce qu'il y a vraiment des systèmes agricoles qui se sont organisés autour des pesticides, et c'est de ça qu'effectivement, je pense qu'il faut parler maintenant. Donc on a mis au point une conduite du blé qui, pour maximiser la production, accroissait délibérément la dépendance aux pesticides. Et c'est toujours dans ce système-là qu'on est, même si aujourd'hui on en met un peu moins qu'avant, parce qu'on a appris à raisonner les pesticides. Donc le systématique de tout à l'heure, je le corrige un peu, on n'est plus dans des applications systématiques, mais toujours dans des situations où on prend des grands risques de maladies ou de... On est encore quand même dans une approche préventive. On traite souvent avant que le problème apparaisse. Et parce qu'on a été donc dans une agriculture qui s'est intensifié, qui s'est ultra spécialisé finalement. On a perdu en diversité. Exactement. Il y a cette spécialisation qui se rajoute. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler un petit peu, parce que en tant que juste observateur, on le remarque dans ces régions-là céréalières, le paysage s'est complètement aplani. Ils ont détruit beaucoup de haies, beaucoup d'arbres, justement pour faciliter le travail dans les parcelles, agrandir les parcelles. Ça aussi, ça a une conséquence sur les traitements de pesticides, j'imagine. Plus vous avez une mosaïque d'habitats, alors mosaïque, ça se comprend tout seul, habitat pour les insectes, pour leurs prédateurs, qui est diversifié, plus vous avez des champs de taille relativement petite et variée, plus vous avez une imbrication entre les endroits où les prédateurs des insectes peuvent survivre et les endroits où les insectes parasites attaquent. Et donc, les mosaïques diversifiées sont plus favorables à la multiplication des carabes, par exemple, les carabes mangent des pucerons, que les champs très grands. Maintenant, les champs très grands, ça a aussi un intérêt pour la mécanisation. Alors, en fait, ce raccourcissement des rotations, il est possible qu'avec l'augmentation des pesticides. L'homogénéisation des mosaïques paysagères n'est possible qu'avec les pesticides. Et donc, le résultat, c'est qu'on a créé des situations relativement spécialisées dans lesquelles l'emploi des pesticides est devenu incontournable. Indispensable. Ce qu'on observe, c'est que les pratiques alternatives, celles dont je vous ai parlé, puis un certain nombre d'autres, elles sont non seulement peu adoptées, mais aussi peu diffusées. Quand on regarde la presse technique, on en parle beaucoup moins que des solutions chimiques.
pour lutter contre les ennemis des cultures. On en parle beaucoup moins que des outils d'aide à la décision, par exemple. Et le résultat, c'est que les alternatives aux pesticides restent peu connues, aussi bien de la majorité des agriculteurs que des conseillers. Alors, il y a des tas d'exceptions. Il y a un certain nombre d'agriculteurs ou de conseillers qui les connaissent bien, mais qui sont très, très minoritaires. Très minoritaires. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce rôle des conseillers, parce que c'est quand même un rôle très important. Donc souvent, pour vulgariser un petit peu, c'est des gens qui représentent des coopératives et qui vendent, qui conseillent les agriculteurs sur leur usage de la conduite de leur culture et l'usage des phytos, et qui leur vendent aussi. Et donc, dans le dernier plan de réduction des pesticides de Stéphane Le Foll, il a décidé de pénaliser ses conseillers, c'est-à-dire de dire, bah, si vous n'arrivez pas, vous, c'est vous qui êtes responsable de la vente des pesticides aux agriculteurs. Donc, si vous n'arrivez pas à baisser vos ventes, eh ben, on va vous pénaliser économiquement. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution? Et est-ce que ce personnage du conseiller est vraiment la clé de voûte du système? Les conseillers font partie des éléments incontournables du système. Alors, je ne dirais pas que c'est la clé de voûte, parce que comme je vais vous le dire tout à l'heure, je pense que c'est beaucoup plus collectif que ça. De la même manière qu'on ne réduira pas les pesticides en agissant seulement au niveau des agriculteurs, on ne les réduira pas en agissant seulement au niveau des conseillers. Il faut agir au niveau des conseillers, des agriculteurs, et puis des filières, des consommateurs, etc. Et que tous ces gens-là se coordonnent. C'est là qu'on comprend votre spécialité de processus de système, enfin mise en place de système de culture. C'est que finalement, on le voit, si on veut baisser les pesticides, il faut avoir une approche systémique et changer les systèmes de production. En fait, on ne peut pas simplement dire, bah, demain, si tu ne baisses pas les pesticides, tu es puni, parce que derrière, c'est toute une économie qui n'est pas adaptée à ça. Exactement. Donc, c'est ça le sujet, en fait. Exactement. Et donc, on est aujourd'hui dans des systèmes de production agricole qui sont spécialisés et intensifs en intrants chimiques, mais qui sont totalement cohérents avec l'organisation des filières, amont, aval, amont, c'est-à-dire les semenciers, j'ai cité, aval, c'est-à-dire les transformateurs, et avec les systèmes de diffusion de l'information. Et chaque acteur de toutes ces filières ou de l'information ou du conseil, chaque acteur a une stratégie qu'il a mise en place en fonction des stratégies des autres, qui est basée sur les pesticides. La stratégie de chaque acteur renforce la stratégie des autres, et personne n'a vraiment intérêt à changer tant que les autres ne changent pas. Donc on se trouve dans une situation que les économistes de l'innovation appellent verrouillage technologique ou verrouillage sociotechnique, c'est-à-dire c'est des situations où quand il y a une innovation, ici des pesticides, qui s'est imposée, une innovation forte, tout le monde s'organise autour d'elle, et une autre innovation qui arrive, même si elle est plus intéressante, elle n'a pas de place parce que tout le monde est organisé autour de la première. Mais le problème, c'est que ce verrouillage dont je parlais, il est à la fois économique, social, cognitif, culturel. Je prends quelques exemples. Il est économique, j'ai parlé de la difficulté d'émergence des filières de diversification. On peut citer aussi l'amortissement des installations industrielles qui poussent à la spécialisation, etc. Il est social, comme par exemple le conseiller qui va conseiller à un agriculteur d'appliquer ou de ne pas appliquer un pesticide. Ben, c'est beaucoup plus dur pour lui de dire « n'appliquez pas » ou « n'applique pas » parce qu'il prend beaucoup plus de risques de se voir démenti que s'il y applique. S'il y applique, il n'y aura pas d'insectes, il n'y aura pas de problème. Après tout, l'agriculteur ne s'apercevra peut-être pas qu'il a traité alors que ce n'était pas nécessaire. Alors que s'il n'a pas traité alors que c'était nécessaire, là, il s'en apercevra. Donc, il est cognitif parce qu'on est aujourd'hui familier des solutions simples, et que les solutions alternatives qui sont toujours un type, presque toujours un peu plus complexes, qui doivent être combinées, on les connaît moins. Il est culturel, avec le prestige du rendement fort, enfin bref, il est sur tous les plans, puis j'ai dit tout à l'heure que les pouvoirs publics étaient impliqués. Et donc, on ne sortira pas de ce verrouillage si on ne s'interroge pas de manière systémique, si on n'essaie pas de réfléchir à comment faire changer l'ensemble des acteurs d'une manière cohérente. Alors, c'est faire changer l'ensemble des acteurs, comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement faire pression sur les agriculteurs pour dire « mettez-en moins, on va taxer les pesticides, etc. » C'est organiser les choses de manière à ce que ça devienne l'intérêt de tout le monde de changer. Les filières, ben, elles s'engageront là-dedans que si elles sentent qu'il y a des plus-values à faire dans des filières alternatives. Et donc, les consommateurs,
doivent eux aussi contribuer à pousser les productions avec peu d'utilisation de pesticides ou les productions issues de produits de diversification, de cultures de diversification. Donc réduire les pesticides, c'est bien sûr l'affaire des agriculteurs, mais c'est l'affaire de tous. Je crois que le plan Ecophyto, il va dans le bon sens, mais il faudrait qu'il aille plus loin pour susciter cette mobilisation très collective, et y compris les consommateurs.